Je suis licenciée au ski club du Grand Bornand depuis 1988, depuis l'âge de 13 ans. J'ai fait toute ma carrière sous les couleurs du Grand Bornand en tant que fondeuse tout d'abord. Et en 1998, j'ai décidé de passer au biathlon, où j'ai pu intégrer tout de suite les équipes de France et découvrir ce que c'était le haut niveau. Et là, j'ai franchement passé un cap. J'étais avec des filles qui étaient championnes du monde avec moi, qui gagnaient des Coupes du Monde, et je me suis dit bah, pourquoi pas moi. Très très vite, j'ai eu des bons résultats, j'ai intégré l'équipe de France Coupe du Monde. J'ai été agent contractuel des douanes aussi durant mes 12 années de haut niveau. Et j'ai pu participer à 3 Olympiades. J'ai été aussi championne du monde en 2003, en 2009. J'ai eu 2 médailles olympiques à Turin et à Vancouver. Et en 2010, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et de basculer de l'autre côté de la barrière en faisant partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde Annecy-le-Grand-Bornand, où j'ai découvert encore les dessous de ma discipline dans laquelle j'avais baigné pendant 12 années, sa complexité et ce qui fait aussi son succès par la rigueur de l'IBU, l'Union Internationale de Biathlon. C'est avec une très très grande fierté que chaque année on accueille toutes les équipes, ce monde du biathlon qui est dans lequel j'ai baigné. Et j'ai surtout à cœur aussi de voir cette équipe de France, cette belle équipe de France briller ici sur mes terres. Quelque part c'est un petit clin d'œil qui nous font à ma génération qui n'avons pas pu faire de Coupe du Monde en France. Pour moi ça m'apporte beaucoup, c'est vraiment un honneur de les voir performer ici sur mes terres.